Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang Soréba. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour l'interview de la coche pour ne plus pas le prochain vidéo. Depuis le 11, le pays est agité. Depuis la disparition de cette star-là, les gens ne font que parler. Et tas de choses sont passées. On a cru que c'était terminé. Moi, j'ai l'impression que c'est maintenant que les choses se commencent. Mes frères et sœurs, marchent un peu. Je vais vous dire des vraies choses ici. Ah! Voici ce que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de dire que la disparition de cette star n'est pas naturelle. Et dans cette situation, dans sa situation, dans son problème-là, nous avons pu voir certaines choses qui nous amènent aussi à comprendre qu'il y a un truc que personne ne veut qu'on sache. En fait, à un moment donné, un pasteur est venu pour prier pour la résurrection de cette star. Malheureusement, les gens l'ont fait tourner en rond juste pour ne pas qu'il prie. Juste pour ne pas qu'il prie. Mais ce qui est dommage, même plus dommage que dommage, c'est que au lieu que ses collègues pasteurs se joignent à lui pour qu'on prie, pour sauver une âme, ces gens-là même se sont mis à insulter ce pasteur, même à se moquer de lui. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et on voit d'autres personnes qui viennent sur les réseaux sociaux et qui disent: oh, ce pasteur, on le connaît. C'est le pasteur X, non? Oh, lui, on le connaît, il est comme ceci, il est comme cela. Et ils se mettent à raconter du n'importe tout et du n'importe quoi. Même si tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai. Même si ce que vous êtes en train de vous raconter là, c'est juste. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'avez pas laissé le pasteur prier? Pourquoi vous n'avez pas laissé le pasteur prier? Pourquoi ne nous... Est-ce que pour prier pour quelqu'un, c'est compliqué? C'est facile. Il dit, va venir pour prier pour que cette star-là se réveille. Elle vienne à la vie, elle crie de la mort à la vie. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle même? Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle? Ça, c'est même plus qu'une bonne nouvelle. On devait faire quoi? Si on aime vraiment cette personne, on devait soutenir le pasteur aussi. Nous, on a lutté. Si regardez la vidéo précédente que nous avons faite, on a lutté. On dit, ah, il faut juste laisser le pasteur prier. On va voir si c'est un vrai ou bien c'est un faux. Parce qu'on lit la parole de Dieu là. En tout cas, moi, je crois à la parole de Dieu. C'est seulement ceux qui croient vraiment à ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui vont croire. En tout cas, quand on lit la parole de Dieu, on nous dit que les vrais, là, on va les reconnaître par les œuvres. C'est-à-dire, si tu es un bon fruit, si tu es un bon arbre, tu as produit de bons fruits. Nous tous, on va voir si tu es un bon pas. Et on verra l'accomplissement de ce que tu as dit. En fonction de ça, nous, on saura qui tu es. On parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup. Pourquoi les gens aiment parler beaucoup comme ça même? Vous parlez trop. Le moment était là. Il était là, il était présent. Ou bien vous cherchez le buzz sur le pasteur ou quoi? Vous dites que c'est le pasteur qui cherche le buzz, mais finalement quand on analyse la situation, on voit que c'est vous-même qui cherchez le buzz. Parce que le gars était venu là. Il dit buzz ou pas. Lui, il est venu pour ressusciter la star là. Il est venu pour la ressusciter, pour l'amener dans l'église de Dieu, pour que cette star là quitte le monde pour venir servir Dieu. Parce que c'est le moment pour lui d'adorer son créateur. Où est-ce qu'il y a du mal dans ça? Si cette star là est sauvée, nous tous on est contents. Même ses fans vont dire, ah, moi franchement, je suis fan de mon gars. Quand il chante, même dans le monde, il chante ce qu'il chante, mais les femmes, c'est vrai, c'est pas trop ça. Mais moi, je veux le voir ma star en vie, même si je l'ai juste vu. Moi, ça va m'encourager à avoir plus de force et peut-être ses conseils encore vont m'aider. Ça, c'est une bonne affaire.
C'était une bonne affaire, aller et tout. Si toi tu dis que ce n'était pas une bonne affaire et que tu te lèves et que tu combats le pasteur là, sans même savoir ce qui s'est préparé, ce qui se trouve même derrière cette histoire, automatiquement, nous allons te dire ce que personne ne peut te dire, ce que personne ne te dit. Nous allons te dire ça aujourd'hui. Dès que tu te lèves et que tu commences à insulter quelqu'un que tu n'as pas laissé nous montrer ce qu'il a dans le ventre, toi automatiquement, tu choisis ton camp. Automatiquement, tu choisis ton camp et tu vas être jugé en fonction de tout ce que tu dis. Si ce que je te dis là, c'est la vérité, tu seras jugé en fonction de ça. Si ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité, tu seras aussi jugé. Parce que nous tous ici, nous serons jugés, même dans les moindres choses. Quand tu viens, tu suis juste en dessous de cette vidéo, tu vois la vidéo, tu vois que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Et toi, tu fais semblant comme si ce n'est pas vrai. Du genre, toi, tu ignores la vérité. Tu préfères soutenir le mensonge, tu vas mettre dislike. Tous ceux qui vont mettre dislike, ils ont fait le choix. Tous ceux qui vont mettre like, parce qu'ils se disent que tout ce qui a été dit là, c'est vrai. Eux aussi, ils ont fait le choix. Ils seront jugés en conséquence. C'est-à-dire que cette affaire là où tu étais en train de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup là, si tu es intelligent, ferme ta bouche si tu ne fais rien. Et puis laisse l'affaire, l'affaire va te laisser. Laisse l'affaire, l'affaire va te laisser. Laisse l'affaire, l'affaire va te laisser. Est-ce que vous assumez que vous aimez le gars? Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas le gars. Mais ils sont juste venus se montrer, genre pour nous montrer que ils sont là aussi quoi. Eux aussi ils peuvent pleurer ou bien ils peuvent souhaiter la condoléance ou quoi que ce soit. Cette star là, c'est un frère du pays. La main de Dieu s'est levée, Dieu dit, ah, il va lui donner une autre opportunité pour que il sorte de son problème. Même en cette période-là, même sa femme, le pasteur a dit que sa femme a accepté Jésus-Christ. Même d'autres personnes, même les musulmans. Et mes frères et sœurs, en matière de croyance, il ne faut pas avoir ces mentir. Il y a bien des gens qui croient bien là, qui croient en Dieu même, puisque nous tous, ce sont les musulmans. Regardez comment ces frères chrétiens l'ont combattu. Ces frères pasteurs, puis des pasteurs. Ils viennent, ils se moquent. Ils disent, si tu n'as pas ressuscité le gars là, on va appeler tous les Chinois les plus, je ne sais pas quoi, pour venir te frapper. Ou on va te mettre en prison. Il fallait les frères te parler. Tu penses que les Chinois là, ils n'ont pas entendu ce que tu as dit? Ou bien tu penses que les Chinois aimeraient que le star reste couché alors que toi tu as envie et puis tu parles, tu racontes de n'importe quoi pour empêcher l'action de Dieu. Si c'est l'action de Dieu, voici des trucs qui arrivent et les gens sont en train de lutter pour empêcher la main de Dieu. Ça pourrait être la main de Dieu. Même si vous dites que c'était pas la main de Dieu, c'est autre chose, mais il fallait juste le laisser. Laissez le gars faire. Ça là. Peut-être que un autre jour, quelques années plus tard, ça va arriver à un membre de ta famille. Ou bien ça va arriver à quelqu'un que tu aimes. Ce jour-là, quand tu vas voir un pasteur venir pour prier là. Quand tu vas dire oui, je veux là. D'autres personnes vont dire non. D'autres personnes vont dire non. On ne veut pas qu'il prie. Parce qu'il y a quelques années, toi tu as empêché qu'on prie pour la résurrection d'une personne ici. Donc toi aussi, on doit laisser toi là comme ça. Parce que ce que tu as semé là, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Les gens sont mauvais d'air. Les gens sont mauvais. C'est terrible. On ne peut pas se taire dessus. Toi, tu passes ton temps à critiquer toujours.
tu vois toujours des problèmes chez les gens. Toi, toujours, c'est toi, tu vois toujours des problèmes chez les gens. Disons, toi, tu es là, tu attends que quelqu'un fasse une erreur pour que toi, tu puisses prendre ça pour parler et montrer son mauvais côté aux gens, quoi. Toi, c'est ce que toi, tu cherches. Toi, c'est ton travail. Tu as fait ton choix. Mais ce que je te dis, ce que vous dis, toutes ces personnes qui sont en train de faire leur choix, je prends comme de vous. Hein. Vous allez rendre compte à Dieu. Nous allons tous rendre compte à Dieu. Nous allons tous rendre compte à Dieu. Vous venez sur Internet, vous insultez les gens. Vous ne connaissez pas les gens, vous les insultez. Tu vois le gars, il est tenté de parler. Il est tenté de bien parler pour arranger les affaires. Au lieu de le soutenir, toi tu veux le décourager, tu l'insultes. Tu es mince, tu es gros, tu es comme ceci, tu es comme cela. Ça a quoi à voir ce qu'il est en train de raconter? Voilà. C'est terrible ce qui s'est passé là. C'est terrible ce qui s'est passé là. C'est terrible. Tu n'as pas dit, à partir d'aujourd'hui, arrête de t'amuser sur les réseaux sociaux. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu du tout. C'est pas un jeu. Si pour toi, toi tu fais ces réseaux sociaux pour t'amuser, il y a des gens aussi qui viennent pour travailler. Parce qu'ils savent que c'est pas un jeu. C'est-à-dire, ces personnes-là, elles savent que c'est pas un jeu. Si tu penses que ici nous sommes là pour rigoler, hein, tu penses que nous sommes là pour rigoler, nous allons te dire, c'est vraiment pas un jeu. C'est tout sauf un jeu. Faut t'amuser. Ah! Et je vais vous dire, hein, il y a des gens qui sont là, exprès sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là, leur travail là. C'est de vous décourager seulement. Vous êtes au studio par exemple, vous travaillez dur, vous veillez, vous travaillez dur sur votre morceau. Ou bien vous travaillez dur sur votre projet. Quand vous faites sortir le truc, vous avez besoin de soutien si ça est bien fait. Maintenant, si vous avez fait des erreurs, il y a une manière de vous parler, non? Pour que ce soit bien. Il y a des gens qui vont vous raconter, dire des choses. Si c'est pour entrer dans la terre, là, si vous n'avez pas faux d'esprit, vous allez entrer dans le sol, là. Vous allez ressortir encore. Vous allez entrer encore. Et puis vous allez ressortir. Tellement ces personnes vous ont dit des trucs mauvaises. Je me souviens, au début de YouTube, là, on a pris cette histoire-là. Au début de YouTube, il y a une fille, elle est venue créer son compte, elle a créé sa chaîne, et elle a commencé à faire des vidéos. Les choses ont commencé à aller bien, et elle a commencé à avoir un peu d'abonnés. Vous savez, en ce temps-là, c'était difficile pour les gens d'avoir des abonnés parce que c'était pas tellement connu, et elle a réussi de ces difficultés là à avoir 500 abonnés. Elle était tellement contente que la fille elle a fait une vidéo et elle a remercié toutes les personnes qui se sont abonnées. C'était comme si elle venait d'avoir même son examen ou un boulot mais ou un truc qui va l'aider à évoluer dans sa vie. C'était une joie pour elle. Maintenant, face à une telle situation, comment toi tu dois réagir? Tu arrives, tu la regardes. Si ça te plaît, tu veux l'encourager, tu veux la soutenir. Chez nous, on dit, il y a like et il y a dislike. Tu likes pour la soutenir. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu choisis de faire ce que tu as envie de faire. Et puis, tu quittes là. Sans lui causer des ennuis. Mais ce qui s'est passé après, là, ce qu'elle a reçu comme retour, comme feedback, là, ça l'a même poussé à se suicider. Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire? Vous ne savez rien, mais vous envoyez les dislikes, vous insultez les gens sur Internet. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé après? Nous allons vous dire. Voici ce qui s'est passé. Elle est revenue quelques temps plus tard pour voir comment ses fans ont accepté, l'ont soutenu dans son élan ou dans sa joie. Et elle lit les commentaires. Elle lit les commentaires des personnes qui l'ont jugé sur son fils, qui ont jugé son physique. Ils ont dit, est-ce qu'il faut même que je dise ça? Mais je ne dis pas ça, je ne vais même pas dire ça. Elle a une forme un peu... Elle a une grande forme.
voilà, elle est un peu grosse, comme on dit. Et les gens l'ont jugé sur sa forme. Tu es comme ceci, tu es comme ça. Tu n'as rien de la tête. Il dit des choses bizarres. Des trucs. Mais je dis, je ne peux pas répéter ça même ici. La fille, elle aussi plus au sourire. Ça l'a tellement fait mal qu'elle allait se suicider. Elle se donnait la mort. Son histoire a tellement touché les gens que jusqu'à aujourd'hui, sa dernière vidéo qu'elle a faite là, ça a eu des millions de vues sur YouTube en ce moment. Des millions de vues. Si elle avait été forte pour ne pas donner la mort, elle serait bien. C'est pour vous dire que ici nous sommes là. Il y a des gens qui ne supportent pas certaines choses. Et vous vous dites que c'est pour jouer, c'est juste pour rigoler. Que vous vous la dites certaines choses. Vous dites que c'est juste pour rigoler, c'est juste pour faire le buzz, c'est juste pour vous faire voir. Les gens vous voulez jouer aux garçons manqués. Vos paroles que vous dites là, ça peut créer, si quelqu'un a fait des trucs bizarres, et vous serez responsable du problème qui va arriver à cette personne. Vous serez jugé quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le départ, bon, la disparition de cette star-là, parce que nous, on n'a pas encore vu le corps, on ne peut pas dire qu'elle est morte. Parce que la disparition de cette star-là, ça nous a ouvert les yeux sur tas de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque jour, il y a une nouveauté. Est-ce que vous avez même vu hier et les vidéos précédentes? Vous serez même surpris. Fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur. Fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Sur les réseaux sociaux, les gens cherchent à se faire voir. Les gens cherchent à se montrer. Chez nous, on appelle ça faire le buzz. On fait le buzz, faire le buzz. Tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire le buzz. Même pour faire le buzz là. Comment tu te prends? Pour moi, faire le buzz, c'est faire une chose positive que personne n'a pu réaliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus durs. Leurs cœurs sont devenus durs. Là où les cœurs sont durs, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes à la société? Tu es toujours là, en train de toujours le médecin après la mort. C'est là même qu'on va voir véritablement qui est qui dans ce monde-là. C'est pas seulement dans ce pays, dans ce monde. Qui est qui? Quel est l'état de l'âme? Chaque personne que tu vois sur la terre a un esprit en lui. Chaque personne a un esprit en elle. Est-ce que vous voyez? Et les esprits des gens sont parfois corrompus. Quand on dit que ton esprit est corrompu, ça dit que tu peux appartenir à une secte. Et toi, ton travail là, sur internet, c'est de venir enfoncer les gens. Il y a des gens comme ça qui sont ici. C'est des états de situation, on arrive à les détecter facilement. C'est-à-dire que mon frère, ne sois même pas agité par tout ce que tu reçois comme insulte, injure, tout ça. Il y a même oublié de vous dire. Une femme. Quel que soit le péché des gens, quel que soit qui les gens sont, hein, apprenons-nous à nous respecter. Parce que vous ne savez même pas qui les gens sont et vous venez les juste les insulter comme ça. Et j'ai une jeune collègue, elle discutait avec une autre collègue youtubeur. Et elle se posait des questions. Hein. Et l'une posait la question à sa camarade. Est-ce que c'est ce qu'elle lui a posé comme question? Est-ce que c'est ce qu'elle lui a posé comme question? Est-ce que vous voulez même savoir? Je me suis arrêté un peu, c'est que ça m'a choqué moi-même. Il y a une qui pose la question à sa camarade. Elle lui dit, dis-moi, quel est le commentaire qui t'a le plus touché sur YouTube? Depuis que tu fais des vidéos là.
quel est le commentaire qui t'a le plus vraiment marqué, qui t'a tellement touché que tu t'es dépassé? Elle dit, ma soeur, les gens sont pas bien. Parfois, les gens vont trop loin. Elle dit qu'un jour, elle a reçu un commentaire d'une personne qui a insulté. Elle, sa partie intime, la partie intime de sa mère, et insulté ses enfants pour mettre dessus. Oh, la personne ne la connaît pas. Juste comme ça. Elle dit que ce jour-là, elle ne pourrait pas y croire. Elle ne peut pas croire que ça pourrait être égalé. Jésus. Qui sont réellement les gens qui sont sur les réseaux sociaux? Parce que nous savons que dans ce monde-là, il y a les vrais et les faux. C'est comme la main gauche et la main droite. Mais nous sommes ensemble, on se regarde. Nous sommes ensemble, on se suit. Nous sommes ensemble, on se voit. Nous sommes là, toujours. Mais c'est dans nos œuvres, qu'on va attraper les gens. Qui est qui fait quoi? Il y a les démons qui viennent même sur les réseaux sociaux. Partout, il y a les démons même qui arrivent. Quand les démons arrivent, eux, quand ils regardent vos vidéos directement là, ils vous regardent juste seulement. Et ils savent directement qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites sur quoi à la maison? Qu'est-ce que vous traversez? Et toutes ces choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Dès que ces démons-là arrivent là, eux, ils vous regardent et ils cherchent à savoir comment ils vont faire pour vous déstabiliser moralement. Comment vous faites pour vous attaquer? Comment vous faites pour raconter des histoires? Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment-là, toi-même, tu vas être surpris un jour. Peut-être que plein de personnes ici vont me confirmer ça. Toi-même, tu vas être surpris un jour qu'une personne que tu ne te connais pas raconte tout ce que tu fais chez toi à la maison. Même ce que tu veux de faire, là même, tout de suite. Parce qu'il y a des sorciers qui sont là. Il y a des mauvaises personnes. Il y a des gens comme ça ici. Faites attention. Je me souviens un jour, je faisais, c'est pas un live, un truc de ce genre, un live était moins puissant. Ce jour, j'étais tranquillement en train de travailler, faire le live, et puis bon, j'avais là, chez nous on appelle ça des galettes, vous voyez les galettes, les beignets. J'avais tout ça en train de manger, juste je me cachais un peu, je mangeais juste un peu parce que voilà, il fallait que je diffuse rapidement le live parce que les gens en avaient besoin. J'étais de manger les beignets du chêne, je fais tout même pour que personne même ne sache que c'était de manger juste rapidement pour reprendre la force parce qu'ils allaient travailler dur. Voilà que moi j'essaie de me cacher pour manger là. Tenez-vous bien. Voilà que j'essaie de me cacher pour manger. Je vois de la bâtie commentaire là. Quelqu'un écrit un truc de ce genre. Ah, Nyang Suibon, la galette que tu étais de manger là, c'est d'où d'est? Mais les beignets que tu étais de manger là. Ah, c'est pour m'adonner aussi. Pourquoi tu manges seul? Si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous allez dire? Si vous êtes à ma place, qu'allez-vous faire? Méfiez-vous des commentaires. Méfiez-vous. Tout le monde est sur Internet. Même les démons, même le diable est sur Internet aussi. Vous pensez que le diable n'a pas ses réseaux sociaux? C'est impossible. Il en a. Il a des réseaux sociaux. Et les démons se communiquent. Je donne des informations sur ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire et comment vous faites pour vous déstabiliser. C'est ça le travail. Ne te laisse pas avoir. Si tu lis les commentaires et que toi tu vois que toutefois quand tu lis, toujours quand tu lis les commentaires, il n'y a jamais quelqu'un qui t'encourage. Les gens passent leur temps à te démoraliser. Il faut savoir qu'il y a plein de sorciers sur ton affaire. Il y a plein de sorciers sur ton affaire. Ils t'observent. Ils cherchent comment faire pour te combattre. Les sorciers de ton quartier, même de ta maison d'abord, les sorciers de ta maison, de ton quartier, ils se joignent ensemble, les sorciers du monde, ils se joignent ensemble et ils sont en train de lutter.
On nous dit même qu'ils sont même à la recherche des étoiles aujourd'hui. Ils attendent une étoile, puis comment ils vont faire pour voir ce que ton étoile est prise. C'est ça les soucis. Et quand tu vas lire leurs commentaires là, et tu vas toucher, eux le sauront. Direct, automatiquement, ils sauront que tu es touché, que ton corps est touché. Ils vont envoyer les masses de mauvais commentaires, mais tu vas voir toi-même. Si tu ne fais pas attention, tu risques même d'abandonner. Or, ça ne sert à rien de lire les commentaires qui t'enfoncent. Pourquoi lire ces commentaires qui t'enfoncent? Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. S'ils savent que vous dites la vérité et que vous révélez tous les secrets, ils vont vous dire, vous parlez trop. Dans la partie commentaire, vous écrit, ah, tu parles beaucoup, hein, tu parles trop. Hein. Tu parles trop. Hein. Faut arrêter de parler. Mon frère, si tu dis, faut arrêter de parler. Si tu parlais un mot, un mot. Comment ça parlait deux mots, un mot? Ça veut dire, il faut multiplier ça pour l'étonner. Parce que c'est la société qui fait ça. Ce sont les sorciers qui font ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a un truc. Et ce truc-là se trouve aujourd'hui parmi nous. Les gens sont là. Si un homme a été, par exemple, tué par des hommes mystiques, par des personnes mystiques, et que la vérité veut sortir parce qu'un pasteur est venu vous montrer tout, vous allez voir que ce jour-là, tous les autres faux pasteurs vont se lever. Surtout les faux pasteurs que vous connaissez, même qui s'affichent, ils vont tous se lever pour venir combattre ce pasteur-là d'une manière ou d'une autre. C'est là que vous allez voir qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Vraiment, la distraction, c'est ça, la réveil, t'as des choses quoi. Moi, je me dis. Il y a longtemps, on a vu un miracle de ce genre. C'était une belle opportunité de ramener à la vie quelqu'un qui est important pour sa famille. Une personne qui est importante pour sa famille. Moi, je voulais voir. Mais les gens n'ont pas pressé l'action de Dieu. Mais personne ne peut empêcher Dieu d'agir aussi. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu est de cette affaire, personne ne pourra l'empêcher d'agir. Cette affaire, ce n'est pas terminé. Sans doute, il y a d'autres choses qui vont sortir. Mais déjà, ce que nous sommes en train de voir par rapport à l'identité des gens qui se trouvent sur les réseaux sociaux avec nous, qu'on suit depuis là, Dieu est en train de nous montrer le vrai visage. Est-ce que vous avez même fait attention à ça? Est-ce que vous avez même fait attention à cette histoire? Est-ce que vous avez déjà fait attention à cette affaire? Mes frères et sœurs, faites très, 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 très attention. Est-ce que vous êtes demandé de partager cette vidéo? Non. Est-ce que vous êtes demandé de liker? Non. Nous devons sauver des âmes. C'est pourquoi toujours je vous demande de vous abonner. Je ne vous demande rien. Si ce n'est de vous abonner, d'écouter ce qu'on vous dit et de sauver votre âme. Sauver votre vie. Dieu n'utilise pas tout le monde pour faire l'œuvre de Dieu. Mais utilise un. Il y a plein de faux. Vous devez remarquer ceux qui vous disent ce qui est bon là. Prenez ce qui est bon, adaptez à votre vie et marchez comme il se faut. Mais ayez confiance en Jésus. Ayez confiance en Jésus-Christ. Ne marchez pas selon ce que votre pasteur vous dit ou bien ce qu'il vous demande de faire. Si ce qu'il a été de vous dire là, c'est Dieu qui le demande de vous dire, vous pouvez obéir. Qu'il soit vilain, qu'il soit bien habillé, qu'il soit bien coiffé. Qu'il ne se soit jamais lavé, même s'il sent mauvais. Même si c'est un fou qui te parle et te dit, mon frère, je suis tenu à lui. Va à la maison. Il faut réfléchir. Quel est ce qui est derrière cette affaire? Quand Dieu parle, il dit un truc, c'est qu'il est capable de faire la chose. Sur le terrain, toi-même, tu vas avoir des signes. A plus B, ça va te confirmer que ce que tu veux d'entendre là, c'est réel et que tu dois changer tes mauvaises voies.
On a même appris hier que les gens qui. Les filles qui rentrent dans les 4x4 pour aller faire des trucs là. On a appris que les gens vont commencer à les sacrifier parce qu'ils ont besoin d'étoiles. Ça, c'est un truc qui a été dit. Nous tous, on a entendu ça. Maintenant, toi, ma soeur, tu te reconnais. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à revoir tes voies et faire plus attention, surtout te confier à Dieu. Parce que ta seule force ne peut pas t'aider à être sauvé dans ce monde perdu. Les gens peuvent t'envoûter. Il y a des gens qui te saluent comme ça là. Ils t'hypnotisent. Ils ont des pouvoirs, des bagues bizarres dans leurs mains. On a reçu des témoignages comme ça. Si les personnes existent vraiment, qui va t'aider dans cette situation? Si toi tu ne peux pas, commence à prier. Attache-toi à Jésus-Christ. Cherche ton pouvoir suprême, l'esprit supérieur sur le Saint-Esprit de Dieu. Ça va t'aider. Fais attention à ce que tu dis. Tous ceux qui ont raconté des mensonges, même qui ont jugé les gens, même sans cause là. Commencez à vous repentir, oh, commencez à vous repentir. Parce que même pour les injures que vous avez proférées, vous avez dit aux gens, même pour rigoler là, ça comptait pour Dieu. Hein. Et Dieu arrive bientôt. Jésus qui vient, c'est pas de la blague. On dit c'est tout quoi ici. Stop. Stop. C'est pas seulement écrit stop pour les voitures qui sont passées. Hein. C'est aussi écrit stop pour les gens qui mentent beaucoup. Arrêtez de mentir pour mentir trop. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Waouh, extraordinaire.